On dit souvent que la maison, c'est l'image du bonheur. Alors, pour vous, le bonheur, qu'est-ce que c'est dans une maison? Mais c'est surtout d'être libre, de pouvoir être libre. C'est l'histoire d'une jeune architecte qui s'intéresse à trois vieux utopistes. Vous aviez l'avenir devant vous? Oui, j'ignorais ce qu'il serait, c'est... Ils voulaient mettre les habitants au cœur de leur architecture. C'est pas parce que quelqu'un est moins aisé financièrement qu'il ne peut pas espérer quelque chose de bien. C'est ça qu'on devrait faire, c'est rendre les gens heureux en leur faisant des environnements de vie convenables. Ils ont tout dessiné. Moi, j'étais tranquille. C'est ça, la participation. Quand moi j'étais gosse, j'ai eu la chance de voir au Saint-Nicolas un jeu qui s'appelle Mécano. Je construisais. Donc j'ai fait un mécano en bois. C'était pas sur les permis de bâtir. Chut. Si tout ça existait, il fallait que j'aille voir. Ça tient encore.